phénomène cette semaine, c'est un type de vidéo dont je n'avais pas encore parlé. Je vous propose de découvrir cette semaine un vidéo musical de Rich and Cliff, Dog Stars, qui est réalisé pour Kev Niné. Et c'est un voyage tout en douceur dans l'univers. Bright light in the sky. Years and years ago, love was on fire. Life we desired. Dog Stars est un voyage animé entre le papier et les crayons de bois, en fait les textures du papier canson, du carton et de l'imagerie numérique, c'est magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce clip, pour l'ambiance feutrée et colorée, pour la direction photo, pour le cadrage, pour les textures, c'est extrêmement bien réalisé. A stranger in my mind, a light at the past, was it all an illusion? Ce clip tout en musique est donc un voyage musical dans l'espace où l'on suit un musicien et le vidéo, je trouve, fait corps avec la douce mélodie de Kev Niné, mais je suis vraiment, vraiment impressionné par la qualité des illustrations et de l'animation de Hinchcliffe. C'est très stylisé, c'est presque dépouillé. En fait, c'est un univers qui est bien à lui, je trouve, et je ne me lasse pas de le revoir et de le revoir encore. Rich Hinchcliffe, le réalisateur, est un réel artiste. C'est un réalisateur d'animation indépendant du Royaume-Uni et c'est un animateur, ou si vous voulez, un motion designer qui a une signature qui est très reconnaissable dans tout ce qu'il fait. Il a fait plusieurs projets et on le reconnaît par le traitement de ses animations très texturées qui peuvent sembler être faites en arrêt sur image, très simple, mais je vous l'avoue, elles sont très 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 complexes à réaliser et sa façon de travailler donne, je trouve, une chaleur, une âme en fait à l'animation. Et comme plusieurs réalisateurs indépendants, il travaille à toutes les facettes de ses projets. Il réalise la conception, l'illustration, la direction, l'animation, le montage, donc tout. Alors, coup de chapeau à ce grand artiste qui aime particulièrement, et je le cite, être capable de prendre une idée de son concept initial et de le mener jusqu'à la production. Et je trouve que c'est très, très bien fait. Love is on fire. There's no more tears to hide. Alors, mon phénomène cette semaine, un coup de cœur pour un univers musical, mais aussi pour un univers graphique. En fait, un coup de cœur pour un artiste, Dog Stars, The Rich Hinchcliffe.